Seigneur, comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas t'adorer, Jésus, alléluia, comment ne pas te louer, oh là, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Jésus. Comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, comment ne pas te louer, Seigneur. Ton nom est la solution, Seigneur. Ton nom est la solution, Jésus. Alléluia. Ton nom est la solution, papa. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution, Papa Yeshua. Ton nom est la solution, Seigneur. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution. Ton nom est la solution, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Y'a que toi, oh, y'a que toi, Seigneur, y'a que toi, oh, y'a que toi, y'a que toi, Seigneur, y'a que toi. Only you, Jesus, only, oh, it's only you, it's only you, Jesus, it's only you, it's only you. Jesus is only, it's only you, it's only you, it's only you, it's only you, Jesus is only, it's only you, it's only you, Jesus is only, it's only you, it's only you, Jesus is only, it's only you, it's only you, Jesus is only. It's only you, it's only you, Jesus is only, it's only you, it's only you, Jesus is only, it's only you, y'a que toi, Seigneur, y'a que toi. Deutéronome 32. Aujourd'hui, on continue, on va compléter notre message qui dit tromper sous son identité. Today we are completing the message, the part two of the message that says mistaking his identity. It's a powerful message. C'est un grand message. Alléluia. Alléluia. Il y a la prière. Donc toujours on va prendre là-bas, il y a encore la prière. On va prier. Thank you Jesus. Toujours la prière, toujours pour dégager, pour détruire, parce que tu dois libérer, tu dois sortir dans toutes les bêtises. Tout ça qui sont mis sous notre vie, toi dois détruire, renverser. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Holy Spirit of God. On va voir. That's why there's prayer. We are taking prayer there also in that Deuteronomy 32-39. 32-39. Alléluia. Deuteronomy 32-39. Deuteronomy 32-39, where we took the message, mistaking his identity. People don't know his identity. People are playing with this God because they don't know his identity. Là qu'on a pris cette message, que les gens arrêtent de jouer avec cette Dieu parce que les gens ne connaissent pas son identité. Son identité, si tu connais celui qu'il est, tu ne peux pas continuer de s'amuser avec lui. On va prendre la prière là-bas. Quelqu'un aide-moi. Deutéronome 32-39. Reconnaissez-le maintenant. Moi seul, je suis capable de sauver. Et c'est lui seul qui est capable de sauver. Il n'existe pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir. C'est moi aussi qui tue. Dieu qui tue. Regarde son identité. Et qui fait vivre. C'est moi aussi qui fait vivre. C'est
C'est moi qui blesse et qui guérit. Hey, notre Dieu aussi, il blessait, il guérit. C'est pour cela que des fois, l'accident que tu as, oui, ils ont coupé ton pied. Peut-être c'est parce que Dieu t'a déjà parlé pour aller faire son œuvre. Tu ne veux pas. Hey, et tu as cette pied, tu as dit de l'utiliser pour aller à gauche, à droite. Il a laissé, il a appelé le diable. Va. Va envoyer un autre fatou de lui raconter à la route que cette pied soit coupée. Que cette pied coupe. Comme ça, quand il ne voit pas le pied pour marcher, il va commencer de penser d'aller faire mon œuvre. C'est moi qui blessé. C'est moi. Il dit, c'est moi qui blessé. Et quand tu vas revenir à lui maintenant, il va aussi te guérir. Il va guérir. Mais d'abord, il va couper cette pied. Alléluia. You see it? Some people, you see the identity of God. You see his identity. I wound and I heal. Most of us, you have become handicapped today. You have accident and your leg is broken and cut off. Maybe it's because you are playing with this God. You are playing with him. That's why he will allow devil. He will call that devil. Devil is a servant of God, if you don't know. Devil is still a minister. Les gens ne savent pas. Satan, juste comme je dis, c'est encore un serviteur de Dieu. C'est un ministère de Dieu. Si Dieu il veut faire quelque chose de mal, il va les appeler. Tu es où? Ah, maître Jésus là. Il y a quelque chose à faire. Tu me connais, non, c'est rapide. Rapide, dis-moi. Rapide. Il est chaud. Dès quand il va aller dire, ah, c'est fini. Dans une seconde, il va venir lui dire que c'est déjà Dieu livré cet bagage. C'est tout ce que tu me connais. Dieu, mon colis, c'est rapide. Ne cherchez pas quelqu'un quand tu veux. Tu sais que Jésus est là pour toi. Tous tes enfants là qui te désobéissent, Jésus est prêt pour les faire, pour les blesser. Mais c'est que tu vas les guérir après, oh. Quand la personne va revenir. Je sais que tu es Dieu de miséricorde. Tu vas les. Mais laissez-moi d'abord de lui faire mal. Que tu es le Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il faut marcher dans l'obéissance. Marcher dans l'obéissance pour le Seigneur. Les gens ne connaissent pas son identité. Il fait mal. Il tue. Il est Dieu qui tue. Il est Dieu qui fait mal. Les gens voient seulement, il est Dieu de l'amour. Il est de l'amour. Pasteur, pourquoi tout le temps tu prêches l'enfer? Tu ne laisses pas l'enfer. Et c'est pour cela que ton message me fait peur. Il me fait peur. Je n'ai même pas écouté ton message. Ça me fait peur. Ah! La Bible dit, il faut les savoir dans la crainte et le tremblement. C'est ça, c'est son identité. C'est son identité. Et nous, some people will say, Pastor, every time you talk hell. That's why I'm afraid to listen to your message. That's why I'm afraid. He's always talking about hell. Other pastors will preach love, peace, romance, agape, love of a husband and a wife, love this thing. But your own is always this. That's why I'm afraid. Ah, you don't know his identity. You don't know his identity. If you know this identity of this God, if you know this identity of Yahweh, Yehoshua, if you know his identity, you will know that he's a killer. He wound, he destroy. And when you hear him, when you listen to him, he will heal. Hallelujah. Thank you, Jesus. So we are taking prayer. On va prendre la prière. Oh Dieu mon père. Oh Dieu mon père. Oh Dieu mon père. Oh Dieu mon père. Localise. Toute réunion de ténèbres. Toute réunion de ténèbres. Toute réunion de sorcellerie. Toute réunion de sorcellerie. Toute réunion de sirène. Toute réunion de sirène. Toute réunion d'esprit familier. Toute réunion d'esprit familier. Sous ma destinée. Sous ma destinée. Sous ma vie. Sous ma vie. Sous ma vie. Sous ma vie. Sous ma finance. Sous mes finances. Sous mon mariage. Sous mon mariage. Sous ma joie. Sous ma joie. Sous ma bénéfice. Sous mes bénéfices. Comme je ne l'ai pas le fait. Comme je.
Every union, evil union against me, against my destiny, against my ministry, against my calling, against my joy, against my peace, against my happiness, against my ministry and my calling. Papa, let them be consumed by fire. Yes, Lord, consume them, 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 consume them,
le Seigneur va les massacrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout pouvoir qui a été de faire injustice contre nous, Dieu va les massacrer à partir de maintenant. Non, bizarre de Jésus-Christ. Amen. I am God of justice. I declare today any power doing injustice against us, any power, any personality doing justice against us, God will massacre them in the name of Jesus Christ. Amen. He will massacre them in the name of Jesus Christ. Amen. Écoutez ce qu'il a venu faire. Hear what he came to do. He came to massacre. Il a venu faire quoi? Massacre. Allez-y. Verset 2. Uh-huh. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Isaïe a en train de demander la question. Parce qu'il est habitué de voir en blanc. Isaiah is posing a question because he used to see our God in white robe. Why is your cloth to become red? Papa, I thought that you are a loving God. I thought all your pastor used to say is a loving father, a loving father. It's a grace, grace cover us, grace cover us. It's a loving God, it's a loving God. Because they don't know his identity. Tout votre pasteur a besoin de prêcher, vous dit que il est Dieu de l'amour, il est Dieu de l'amour, Dieu de agapé, et la grâce nous couvre, la grâce nous couvre. C'est ça que Isaïe, il pense qu'il est Dieu de l'amour. Mais pourquoi ta robe, tout ça, devenu rouge? Et continue, quelle réponse qu'il a dit? Tes vêtements pareils à ceux de l'homme qui écrase le raisin dans une cuve. Verset 3, il dit, j'ai été seul à travailler au pressoir. Tu n'as besoin pas un aide sous ta situation, sous ma situation. Il n'a besoin pas d'un aide. God don't need a helper to settle your situation, to settle my situation, to fight our enemy. He said, I am alone doing the work. Amen. Which work is he doing? I am alone massacring and destroying the enemy of my children. I am alone dealing with they that are troubling my ministry, troubling my pastor, troubling my children. I am alone. I don't send anybody. I am a killer. Je suis tout seul en train de massacrer tout ce qui trouble mes enfants. Je suis tout seul en train de massacrer tout le pouvoir, tout ennemi de mon évangile. Je suis tout seul. Je n'ai besoin pas de quelqu'un. Allez-y. Sans personne, d'aucun peuple avec moi. Je les ai piétinés dans ma colère. Piétinés, c'est comme ça. Piétinés, massacre dans mon colère, massacre. Dieu va massacrer tout ennemi de notre destinée au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu va les renverser, c'est l'identité de notre papa. Laissez les gens qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour ça que toi, un enfant de Dieu, ne peux pas les provoquer. Que tu ne peux pas devenir son ennemi. Pour pas pécher, pour pas vivre dans le péché. Fuis le péché. Parce que quand tu rentres dans le péché, tu lui fais aussi, il va devenir comme toi. Il va te piétiner. Alléluia. Amen. That's why a child of God, a child of God, don't provoke him. Don't go into sin. Don't follow others to sin. Because when you go into sin, you provoke him to anger. He will massacre you as he massacre his enemy. Allez-y. Je les ai écrasés dans ma fureur. Je priais que la fureur de Dieu va localiser notre ennemi à partir d'aujourd'hui. Amen. La fureur de Dieu va localiser tout ce qui ne veut pas que nous on réussisse. La fureur de Dieu va localiser cette hôtel dans la maison de notre père. Cette hôtel dans la maison de notre mère. Cette hôtel dans notre lieu de naissance. Cette hôtel dans cette vie. Cette hôtel qui dit les enfants de Dieu, ok, on ne réussit pas. La fureur de Dieu va les localiser maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. The anger of God will locate every altar in our father's house and mother's house that says that will not rise. That power, that shrine, that personality, those demons that say that will never rise, I decree this afternoon that the anger of God will locate them in the name of Jesus Christ. Amen. God of destruction, God of judgment, God that massacre, as he was doing that work in Isaiah 63 from verse 1 to 4, how he will do it for them this afternoon in the name of Jesus Christ. It is his identity. That's why. Don't mistake his identity. The world mistake his identity. That's why they are playing with him. The president, the governors, every one of them, the pastors, the bishop, archbishop, pope, misidentify who Yeshua Amasiah is. That's why he's playing. That's why he's introducing gay. He's doing nonsense to say that he's a papa religion.
pour parler sous, pour tromper sous son identité. Son identité, c'est Dieu qui tue. Pour pas sous ton pasteur, pour pas sous ton prédicateur, pour pas sous ton soutien général, pour pas sous ton pape. Pape, il a trompé sous l'identité de Yeshua Amasia. C'est pour cela qu'il a été fait les bêtises, introduit la pornographie, introduit les lesbiennes, introduit les aliments en train de marier humaine. Parce qu'il a trompé sous l'identité de Yeshua Amasia. S'il connaît l'identité de Yeshua Amasia, que c'est Dieu qui tue, c'est que c'est Dieu qui massacre, c'est Dieu qui écrase tous ses ennemis. Il va prendre garde de son âme. Allez-y. Leur sang a jailli sur mes vêtements. Tu as vu, non? Donc, hein, Seigneur aussi, qui a crié, qui nous a crié, donc il est intéressé aussi de le sang de ses ennemis. Il touche son vêtement. Le sang de son ennemi, l'ennemi de son peuple. Il a sali son vêtement. Et j'ai sali tous mes habits. Ok. Verset 4. 4, hein? En effet, un jour de vengeance était sur mon cœur. Ok. Et l'année de mes rachetés était arrivée. Merci. Donc, un jour de vengeance, il est dans son cœur. Dans son cœur. Mais vous dites que c'est Dieu de l'amour. Ça que vous voyez, c'est le mort. Ça qu'on vous a dit de prêcher partout, que vous voyez, c'est Dieu de grâce, Dieu de l'amour. C'est ça que vous voyez toujours. Alors que dans son cœur, il y a un côté là-bas qui est la vengeance est là-bas. La destruction est là-bas. Tromper sur son identité. Alléluia. You see how they are deceiving us? Deceiving us. So he said. In his heart, there is a place you have put there, day of vengeance, day of destruction, day of massacring, day of killing, that nobody that day will pray any prayer of mercy that will hear. And that's why everybody now already receiving it. Enemy of God, he said, enemy of my people. Oh Lord, my Father. Oh Dieu, mon Père. Oh Dieu, mon Père. Oh Dieu, mon Père. Par l'épée de ta jugement. Par l'épée de ton jugement. Par l'épée de ton jugement. Par l'épée de ton jugement. Poursuis. Poursuis. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui ne veut pas que je réussisse. Qui ne veut pas que je réussisse. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui ne veut pas que j'avance. Qui ne veut pas que j'avance. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui ne veut pas que ma vie avance. Tout pouvoir. Je ne veux pas que ma ministère avance. Paix des jugements de Dieu. Pour soulever. Massacre les mains. Thank you, Jesus. Oh no, puissant de Dieu, sois à vos prières. Amen. Thank you, Jehovah El Shaddai. Toute sorcellerie. Toute sorcellerie. Dans la maison de mon père. Dans la maison de mon père. Dans mon lieu de naissance. Dans mon lieu de naissance. Dans la maison de ma mère. Dans la maison de ma mère. Dans cette vie. Dans cette ville. Tout esprit des eaux. Tout esprit des eaux. Marie Denis, femme Denis. Marie Denis. L'esprit familier. L'esprit familier. L'esprit familier. Qui est en train de me troubler? 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 Paix de guerre de Dieu. Et paix de guerre de Dieu. Poursuis-les maintenant. Poursuis-les maintenant. Massacre-les. Massacre-les. Massacre-les.
let the Spirit of God, let the Spirit of God pursue, let the Spirit of God pursue. Every witchcraft, witchcraft my brothers, witchcraft my place of death, witchcraft this land, marriage spirit, evil spirit, spirit husband, spirit husband, spirit wife, power that doesn't want to move forward. Papa, look at them, butter and strong. Everybody, I want you to move forward. Let the Sword of Judgment of God look at them now. Massacre them. By the thunder of God, by the wrath 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 of God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes. Tout rêve négatif. Programmé contre ma destinée. Every negative dream. Programmé against my destiny. Programmé against my life. Programmé against my children. Programmé contre mes enfants. Anger of God. Furie de Dieu. La colère de Dieu. Localise ce rêve. Et son plan. Et son programme. Et son projet. Sous ma destinée. Sous ma vie. Sous mes enfants. Sous ma famille. Colère de Dieu. Déchire cette rêve. Let the wrath of God, let the anger of God, locate evil dream, demonic dream, witchcraft dream, dream of backwardness, every dream, they set up against me to use to destroy me, they don't want me to move forward. That dream, that negative dream, that demonic dream, against my destiny, against my ministry, against my calling, let your anger destroy that dream right now. Destroy it. By fire, by thunder. Thank you, Jesus. Oh no! Puissant de soi avoir prié. Je déclare sur notre vie qu'à partir d'aujourd'hui, comme on est rentré niveau semaine, je déclare que toute chose niveau commence à manifester dans ta vie au nom de Jésus-Christ. À cause de cette prière que tu as priée aujourd'hui et de cette message qu'on va écouter, je déclare Dieu qui tue. Dieu qui détruit son identité que les gens ont été trompés avec, que les gens ne connaissent pas. Cette identité que le diable lui-même il connaît, cette identité va commencer à te défendre à partir de ce nom de Jésus. This identity that people are playing with, that the devil even knows this identity. But the devil have made people, they wave away this identity. I speak from today that God of this identity will begin to His identity will begin to fight for you in the name of Jesus Christ. Amen. From today, that identity will begin to defend you in the name of Jesus Christ. Amen. Everywhere you go, that identity will appear and say, touch not. Hallelujah. Anywhere, n'importe où que tu vas, cette identité de Dieu là, cette identité qu'on va parler maintenant sous, il va continuer à parler. Si ils ont essayé d'évoquer ton nom ou appeler ton nom pour te faire mal, cette identité va apparaître. Dis, ne touche pas. Amen. Si vous ne voulez pas que votre sang coule, ne touche pas. Amen. Ne touche pas. Alléluia. That is what from today, that identity will begin to appear. Anywhere they mention your name or call your name for evil, to do any one of you evil, that identity will appear and tell them, touch not. If you don't want your blood to flow, touch him not and his household. In the name of Jesus Christ. Oh no! Pissade de soi avant prière. Amen. Thank you, Jesus. Papa, viens prendre contrôle. Glorifie ton nom dans cette culte. Viens nous expliquer. On voulait connaître bien celui que tu es. Cette identité qu'on nous a trompé. On pense que Dieu, il est le même âge avec nous. On l'a fait de revenir poubelle. On parle, on ouvre la bouche des fois, on parle n'importe quoi contre ses enfants et son serviteur. On ne regarde pas, on n'est jamais passé de celui qu'il est. Il est le tueur. Alléluia. Ils ont trompé les gens. Les gens vont dire, Dieu qui nous a crié, comment il va nous jeter à l'enfer? Laissez tout ça là. Nous sommes les enfants de Dieu. Oui, celui qui nous a crié, mais il connaît tout où nous sommes.
il y a les enfants des diables au milieu de nous. Il y a les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, sur cette terre, on ne sait pas beaucoup. Mais ça donne ta tête. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Papa, bien prendre contrôle de plonger notre vie, de plonger cette route, de plonger le message dans le sang de Jésus-Christ. Papa, viens nous expliquer tout ce qu'on doit connaître aujourd'hui. Et à la fin, que ton nom soit élevé plus haut dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, on va prier. Amen. 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 Assez-vous. Alléluia. Amen. Le deuxième partie de cette message, le second phase of this message. Dieu qui tue. Dieu qui tue, on ne peut pas s'amuser avec lui. Connaît son identité. The killing God. Know his identity. That's why we, the Israelites of God, look at what happened. Look at how we suffered. 400 years. It is two times. 400 years. The first one, the time of Abraham passed. Second one, we went through. We are going through it. It finished 2019. 400 years. Because of what? Disobedient against him. Do you know how many of his children that have been killed? Do you know? Can you count how many of the seed of God that have been wasted since 400 years plus 400 years, which is 800 years? Because of what? Disobedient to his commandment. Violation against his commandment. Hallelujah. In the Exodus journey, where he, when he brought our ancestors out of Egypt, he took them to that desert. Our desert is coming. That's why let all these pastors are telling that we are going on rapture before tribulation. It's a lie. We have our desert to follow. That desert is the tribulation. To test who is who. To try us. Apocalypse, Revelation chapter 3. He said it's a trying time to try us. To try us. We have to pass through it like the first Israelite. Hallelujah. He don't want to carry anyhow person to his kingdom. No. You have to go through the trial to know whether you qualify. As he did. And the Bible says in the book of Numbers, he finished all of them within 38 years. More than 2 million people. That generation wiped them off. He promised them they will not enter his kingdom. They will not enter that promised land. And he did it. Hallelujah. Quelqu'un ne doit pas nous tromper, bien aimé. Quelqu'un ne doit pas nous tromper. La même chose qu'il a fait dans la vie de notre ancêtre que je parle, c'est le premier Israélien. Quand il a fait sortir en Égypte, il a fait de passer dans le désert. Alléluia. On a vu, on a déjà recensé ça ainsi. Comment il a éliminé ils sont plus que 2 millions. Quand ils sont en train de faire les bêtises, il a dit quoi? Il a juré que vous ne rentrez pas dans cette terre promise. Je vais vous tous gâcher, massacrer dans ce désert. Ce désert aussi attend nous. Nous sommes le deuxième Israël qui va passer. On a le désert à passer. Ce désert, c'est notre tribulation. On va passer dedans. Que n'importe quel pasteur ne vient pas nous dire. Que vous voyez, enlèvement. Laissez-vous l'affaire de cet enlèvement. On a déjà, la tribulation a déjà commencé depuis 2020. On a essayé d'aller doucement. C'est la tromperie de diable qui fait les gens aller prendre la vaccine. Le diable va vous dire que vous va partir. Va prendre. Ça. C'est pour ça que j'ai pitié de tous les pasteurs là qui dit qu'ils prêchent la sainteté, qui n'est pas la révélation de ça qui a été passé sur le COVID et la vaccine. Quand tu dis les gens allez prendre la vaccine, que c'est pas la marque de la bête, qu'on va partir. Qui vous dit ça? Vous avez lu ça où dans la Bible? Matthieu 24, là que le Seigneur l'a expliqué très très fort sous la tribulation. Il n'est pas dit vous va partir. Il dit, vous va passer dedans. Il dit, cette tribulation sera grave, que ça n'a jamais, jamais arrivé depuis le temps de création de ce monde. Il nous a fortifiés.
Il nous a expliqué de prendre le courage. Il a dit, tous ceux qui vainquent, vainquent quoi? Pendant de cette tribulation, sera sauvé. Tout ce qui tenait jusqu'au bout. Au bout là, c'est quoi? Le temps qu'il va venir. Parce qu'il dit, au milieu de cette tribulation, je vais maintenant, si je n'ai pas abrisé, si je n'ai pas abrisé, il dit, personne ne peut pas sauver. Même mes enfants, même mes élus, ne pas sauver. Ça veut dire que nous tous, va accepter la marque de la bête. C'est ça que la Bible dit là-bas. Nous tous, va abandonner le foie. Parce que le tourment sera grave. Mais il dit, si je n'ai pas mis le pied bloqué comme ça, faire mes affaires sortir, je vais les tous perdus. Mais à cause de les élus, je vais rentrer. Mais sinon, les élus, on fait comme ça. Il dit, mais il dit quoi? Il a dit quoi? Mais ne vous inquiétez, je serai avec vous dans tout ce temps. Amen. Tu as quelque question? Ça veut dire quoi abréger? Abréger, c'est stop. Stop ou dégage. Arrête. Des personnes en train de battre. Tu as rentré au milieu. Tu as rentré et dit non, arrêtez-vous ça. Tu comprends maintenant? Il y a le problème donc entre deux personnes. Tu as rentré au milieu pour arrêter ça. Parce que moi, je pensais qu'approcher, ça veut dire qu'on avait fait les mois. On avait donné des lignes, on avait fait les mois. Non, ça c'est une autre chose. Vous avez une réponse? Abréger, c'est écourter en fait. Ouais. Ce qui devait être long, on raccourcit en temps. Parce que, par exemple, deux personnes en train de combattre, mais ils sont où ils voulaient faire le problème. C'est ça que tu laisses ça. Tu ne sais pas ce qui va arriver à la fin. Peut-être la mort ou c'est ça. Mais tu as entré et stoppé ça pour éviter que ça ne veuille pas aller loin. Parce que tu ne sais pas ce qui va arriver. Ok? Quand tu es arrivé, tu vas aller regarder dans le dictionnaire pour bien comprendre. Ok? Tu vas aller regarder dans le dictionnaire. Le dictionnaire va te donner encore plus de mots. Ok? Pour bien comprendre. C'est ça. C'est pour arrêter quelque chose. Aide-moi, Oya, lis là-bas. Matthieu 24. Lis ça en français. Je vais voir comment la Bible a expliqué ça. Matthieu 24, lis à partir de... Let us see. This question, we are going to check out in Matthew 24. When Jesus Christ said that, if I did not come in, even my elect... I think you read from verse 20. À partir de verse 20, je vais voir. Matthieu 24, from verse 20... À partir du verset 20. Priez Dieu pour que vous n'ayez pas à fuir pendant la mauvaise saison ou au jour de sabbat. Verset 21. Car en ce temps-là, la détresse sera plus terrible que toute celle qu'on a connue depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Et il n'y en aura plus jamais de pareil. Verset 22. Si Dieu n'avait pas décidé d'abréger cette période, personne ne pourrait survivre. Tu as vu, non? Si Dieu n'est pas décidé, on fait quoi? Abréger. Cette période. Ça veut dire que, anglais, shorten. Ça veut dire que, faire que ça devienne coûte. Ça veut dire que couper. Si Dieu n'est pas coupé, cette période. S'il n'est pas coupé, ça veut dire que s'il n'est pas intervenu, on peut utiliser ce langage aussi. S'il n'est pas intervenu, parce que intervention, c'est coupé. Par exemple, il y a le feu dans la maison.
Ils sont appelés le pompé. Si le pompé n'est pas venu, intervenu, qu'est-ce qui va arriver? Mais toutes les personnes de la maison seront mortes. Toute la maison. Eh oui, mais les gens, s'il y a des gens dedans aussi, ils vont mourir. Donc, l'arrivée de Pompée, il fait quoi? Abriger. Il met le stop vers l'intervention. Il arrête. Ok? Comme ça, il peut sauver plein de choses. Il peut sauver plein de choses. Les habits, les linges, les gens et tout. Qui n'est pas encore brûlé. Ok? C'est clair? Donc, c'est ça. Ça aussi, c'est parmi les identités de Dieu. Donc, Dieu qui est en train de dire Dieu de l'amour, comment il va laisser ses enfants, son élu, son saint, pour passer dans cet temps? On ne connaît pas son identité. C'est là que n'importe quelle personne ne doit pas nous tromper. Alléluia. Que n'importe quel pasteur ne doit pas nous tromper. Tout le pasteur qui a dit de prêcher ça, Dieu l'a dit de confronter, a dit de dire, pasteur, tu es dans l'erreur. Va et tout la Bible bien. Pour pas dire les enfants de Dieu d'aller prendre n'importe quoi, mais leur donne leur cœur. Va et tout la Bible bien. Le Seigneur nous a pas promis qu'on va partir dans l'enlèvement. Il dit, on sera là. Son élu sera là. Son saint sera là. Vous voyez seulement l'amour de Dieu, la grâce de Dieu. La façon qu'il a laissé aussi ses enfants, son premier Israël, de passer dans le désert. 40 ans de souffrance. Mais il est avec eux. La Bible dit, il n'a rien manqué. Même pour le chaussure, même pour les habits et tout. Il n'y a rien qui est déchiré dans leur cœur. Donc le Seigneur, il est avec eux. Mais il a fait quoi? Il a tous éliminé. Oh. Respecte cet idiot. Deutéronome, c'était dans le Deutéronome. On a déjà tout ça ici, dans le livre de Deutéronome. Il est tous éliminé. Il a promis, c'est Deutéronome 4, non? Il a promis, il a dit Moïse, les gens là ne rentreraient pas dans mon terre promesse. Parce qu'ils sont en train de m'insulter, en train de dire n'importe quoi, même contre toi, mon serviteur. Il n'y a pas de problème. Et dans le livre de Nombre nous a confirmé ça. Nombre dit, dans 38 ans, toute cette génération, Dieu l'a tous éliminé. Il y a les jours, 23 000. Il y a les jours, 24 000. Il y a les jours, 13 000. Il y a les jours, quel Dieu! Pourquoi vous ne connaissez pas l'identité de cet Dieu? Pourquoi vous s'amusez avec Dieu? Pourquoi on a dit de s'amuser avec Dieu? Why are we playing with the identity of this God? Eh? We are going to church. We are following men of God who doesn't know Bible. That's why they tell you and they tell people, holiness preachers, holiness, not even Jezebel preachers. Holiness preachers are telling the children of God to go and take a vaccine, take a COVID, take everything. That they are going to fly, that it's not mark of the beast. Here, I have preached it, I have preached that message. I preached it several times. Et si j'ai déjà parlé de cette message, je lui ai demandé quelque chose. Oh, tu pensais que quand Satan ne va venir, la marque de la bête, Satan ne va. J'avais dit ça une fois, j'ai dit, vous pensez que la prophétie de tout ici là, il va annoncer ça que. Tout le monde, peut-être, ils sont dit maintenant, ils se sont dit, tout le monde, tout ce qui va prendre le papier, ou tu vas prendre le papier avec la marque de 666. Quand tu voulais venir prendre ton papier ou chercher ton papier, on va aggraver 666 sous ta tête, ou sous ta patrie, ou sous ta mère avant de te donner le papier. Combien de personnes qui vont aller? Tout le monde va commencer de crier. Ah, ils sont déjà arrivés, c'est la marque de la bête. Moi, je vais chez moi. Le diable ne vient pas comme ça. Pasteur, écoutez, la Bible vous dit, il est ancien serpent. Comment serpent marche? Masse. Il ne peut pas attendre. Tu ne peux pas attendre son pied. Il n'y a pas sa bouille. Il va ici. Il va là. Il va ici. Voilà. Il va ici. Voilà.
un coup comme ça. Bam! Et tu vas me dire, mais c'est lui qui a dit de faire comme qu'il n'est pas le zoo. Hein? Fait comme qu'il n'est pas le zoo. C'est lui qui a, depuis maintenant, avec tout là, toute sa force maintenant, bam! Ah, c'est là que la Bible dit qu'il est assez sapanté. Il ne peut pas te montrer où qu'il va. C'est à la fin que tu rentres dans cette chose. Que tu vas savoir que... Ah! Qu'est-ce que Dieu fait là? That's how... The Bible call him old serpent, pastors. I pray that you go and ask God for mercy to forgive you for those you have led. That's why the Lord said to us, he said to me, everyone that taking that vaccine must go for deliverance. Must go for deliverance if you want to make heaven. Must go for deliverance and kill that spirit, that demon, that thing. I think we are seeing the results now, what they put in the people's body. It's coming out. It's coming out. And the Lord told us, within 3 years of everyone that put that thing in the body, that we should watch at what's going to happen in the world. Et le Seigneur nous a dit, moi je l'ai dit, le Seigneur l'a dit, dans 3 ans, de tout ce qui a mis ces choses dans leur corps, que je vais voir ça qui va arriver. Donne-les 3 ans. Depuis le jour que tu as mis ça dans ton corps, tu peux être bien maintenant, il n'y a pas de problème, mais le Seigneur l'a dit, donne 3 ans. 3 ans. Et mais on a déjà commencé de voir la réaction, non? Les gens ont commencé de trouver et en train de montrer, en train de faire sa sortie. Parce qu'ils sont bloqués, ça. Arrêtez le temps que nous sommes là, ce n'est pas le temps de sous ton chef d'État ou l'État et tout ça et tout ça. Retournez vers Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de sous ton sous-tendant général. Tout le pasteur qui n'est pas contre cette chose, ils sont sataniques. On a fait un message la dernière fois. Il a dit quoi? Il dit, c'est marque de globalisation. Tu as pris ça, tu as déjà nié Jésus-Christ. Au lieu de ta marque de cieux, tu as nié ça, nullifié ça, prend la marque pour être un globalisation. Et tout le pasteur là qui a été dit que les gens prennent ça, dit attends, donne les bouches. Les autres, il va dire, tu ne voyages pas, hein, on va voyager quand même. Comment tu ne veux pas voyager? Va prendre ça. Parce que tout le pasteur là, ils sont déjà dans le système de globalisation. Ils sont déjà dans le système de globalisation. Ils voulaient continuer de voyager dans le temps des difficultés, dans le temps des tribulations. Alors que Jésus-Christ l'a dit là-bas. Tu as vu là-bas? Il dit, hey, il faut prier que ton avion, ton voyage ne doit pas être dans cette période. Pasteur qui voulait voyager. Pasteur qui voulait prendre, qui a été de prendre la marque pour aller promener partout le monde. Et le Seigneur t'a dit que priez que ton voyage, le promener que tu as été de promener partout le monde là, que ça ne tombe pas sur cette jour. Quand le temps là va arriver, tout endroit que nous sommes va devenir notre gauchant. Alléluia. Le temps des enfants d'Israël en Égypte, quand l'angoisse a commencé, quand Dieu a été de frapper, lancer tout cet fléau, combien des enfants d'Israël que tu attendais qu'il est dans l'avion en train de voyager? Ils sont tous cachés à gauche. Continue de voyager, continue de suivre ton pasteur bien. Prends tout. Satan cannot come with his true picture. He's a serpent. That's why this pastor that said that you should go and take all this. Be very careful with the pastor you are following. Any pastor that is not standing in the word of God and saying no to this nonsense, you are satanic and you are a wicked. One man of God yesterday I was watching, he called them man of blood. He said they are not a man of God. He said God told him that they are man of blood. How are they man of God blood? He said, because Ezekiel says, if I tell you to warn a sinner and you don't warn him, and he dies inside that sin, his blood, I will ask on your head. So they are man of blood. Blood full their hand. They have killed many. They have sent many to hell. J'écoutais un pasteur hier, il a dit quelque chose. Le Seigneur a dit,
Tout le pasteur que j'ai dit, il dit dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel 3, 18. Ézéchiel 18 aussi, 33. Il a dit, si tu te dis, le péché, que okay, repentez. Si tu n'es pas dit le péché là, tu n'es pas averti ce péché là, il est dit de repentir. Et s'il met dans sa péché, il dit, je vais demander son sang sur ta tête. L'homme de Dieu l'a dit, le Seigneur, il a dit tout le nom de Dieu que vous avez dit que ce nom de Dieu là, ils sont nom de sang. Ce n'est pas nom de Dieu, nom de sang. Le sang rempli dans les mains. Parce qu'ils ont déjà envoyé tout, beaucoup de mes enfants à l'enfer. La sainteté, la sainteté. Satan aussi prêche la sainteté. Hey, ne s'amuse pas avec Satan. Il connaît la parole plus que toi, plus que moi. Plus que tous les gens qui vous disent que c'est votre pasteur là. Il connaît la parole plus que elle. Il n'y a que la grâce de Dieu, de du Saint-Esprit à nous. À nous. Si tu les laisses, il rentre en toi et commence à débloquer la parole de Dieu, la vérité de la parole là. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Mais quoi, délivre-nous. Connais son identité, bien-aimé. Connais l'identité de Yeshua Amasia. C'est Dieu qui tue, c'est Dieu qui massacre. Il a éliminé tous ses enfants. Il a éliminé tout son Israélite. Il n'est pas pitié. À cause de... Ils sont violés son commandement. Votre pasteur ne peut pas vous dire ça. Toi, pasteur, si tu as été fait les rêves, à toi de mal diriger les enfants de Dieu. Tu vas payer. Tu vas payer. Understand, know you this God. God of Israel, the killer that killed his children. He wiped them all off in the wilderness. He did not pity them. He said, Moses, get out from the way. Moses, leave the way. I want to finish these people. Because of sin. You are playing with that God. Mistaking his identity. He said, I am Alpha and Omega. The beginning, the day and the end. I am. Yes. When I say I will do it. He said, I am not a man that lie. When I say, have I said it and I did not do it. And they are playing with that God. When he said he will kill. We kill. Il dit, je suis Dieu, je ne suis pas l'homme. Est-ce que j'ai déjà dit quelque chose que je veux faire? Et je n'ai pas fait ça. Si je dis que je veux tuer, je vais tuer. Si je dis que je veux massacrer, je veux massacrer. Quelqu'un ne peut pas me retirer. Quelqu'un ne peut pas me retirer. Et c'est ça Dieu qu'on a dit de s'amuser avec. Ces vrais enfants qu'il a fait alliance avec. À travers Abraham, il a tous éliminé. Et c'est cet idiot qu'on a tenté de s'amuser avec. C'est cet idiot qu'on a tenté de jouer avec. C'est cet idiot que j'ai dit, le francophone, en train de prendre comme Nunu, Nunu, Nunu. C'est ça, non? De jouer des enfants. Nounous. 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 Yeshua Amasia. Tu as vu ça qu'il a dit à Isaïe 63, à partir de verset 1. C'est cet idiot. Le livre de l'Apocalypse, c'est le livre de sang. Lis Apocalypse, que votre pasteur ne peut pas vous lire. Qui ne connaît pas, parce qu'ils sont pères, parce qu'ils ne sont pas purs, ils ne sont pas corrects pour entrer dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse va les déchirer en pièces irréparables. Parce que c'est le livre de le sang court, le des sang qui court là-bas. Le sang de le saint et le sang de l'ennemi de Dieu. C'est le livre de jugement. Mais votre pasteur et tout ne peut pas rater là-bas. C'est le livre qui a montré celui qu'il est. C'est un tueur. Alléluia. Book of Revelation. It's a dangerous book. That's why your pastors, all this, your wicked pastors cannot go into it. They don't go into it because they are not pure. It's a book where you go into so it. There is two blood flowing there. The blood of the saint and the blood of the enemy of God. Because they are enemy of God, they cannot decode it. They go there, that book will tear them to pieces because they are not just.
They're not just. That's why they cannot go into it. They'll be telling you abracadabra to deceive you. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Amen. Holiness preacher. Satan is a holiness preacher. But to buy his fruit, you will know him. Know him. He will always add an error. Hallelujah. Satan aussi prêche la sainteté. Mais c'est par son fruit que tu vas le connaître. Parce qu'il va toujours ajouter l'erreur. Comment toi qui dis que tu es un pasteur, va dire que tes enfants doivent aller prendre la vaccine. Va regarder le résultat de cette vaccine maintenant. On a dû voir tout le résultat. Et là, ça qui sont mettre dans le pot déjà. Le Seigneur nous a avertis. On a crié. Je remercie Dieu que tout ce qui m'écoutait, qui fait la vérité, il n'est pas essayé. Et aujourd'hui là, ils sont dans leur travail, en train de faire leur travail toujours. Tous les autres qui ont perdu leur travail, le Seigneur leur a donné leur travail, avec notre prière. Qu'est-ce qu'est COVID? Qu'est-ce qu'est pandémique? Plandémique, anglais dit, plandémique, ils sont programmés ça. Lancé, c'est l'introduction, ils sont dans la préparation pour introduire l'antichrist, si tu ne sais pas. Les grands papas, les papas, ils arrivent. Nom de perdition. Donc avant de l'introduire, il doit préparer sa chemin. Il doit mettre tout chose en place pour lui. Comme ça, quand il vient, ça va être facile pour lui pour commencer son opération. Et le pasteur, il est là-bas. Il ne voit rien. Il dit, vous allez aller à l'enlèvement. Je vais vous dire quelque chose. J'avais noté que ça, quelque chose que je n'ai pas dit la dernière fois, que quand j'ai touché cette message. Ce message arrive. Regarde, 1830, il y a un monsieur frimaçon qui est aussi, qui réclame aussi qu'il est un homme de Dieu. C'est lui qui a prêché cette message, qui a commencé cette message, que l'enlèvement avant la tribulation. Que tout le passant était dessous aujourd'hui. Tout le passant était dessous ça. Cet monsieur s'appelle, j'avais noté. Quand vous arrivez à la maison, va faire, dans notre église, ici là, tu vas connaître la Bible, tu vas y aller fouiller ton Google. Quand j'ai fait le research, j'ai trouvé quelque chose, je vais te dire d'aller fouiller. Je ne suis pas le pasteur qui cache. Tu vas voir les faux pasteurs, il va cacher la vie. Il ne veut pas que les gens connaissent. Comme ça, il va commencer de les manipuler à faire quelque chose. Il s'appelle John Nesso Dabi. 1930. The man is called John Nesso Dabi. 1830 is the first person that preached, that introduced that message. And he's a Freemason. He's a pastor, but he's a Freemason. So the devil gave him that message to use to deceive the children of God. So that when you'll be bringing the mark, they will be, their pastor will be telling them to go and take it. So that before they know what is happening, they are already dead in the mark. Waiting for rapture to come. And they don't know that they have already finished. Hallelujah. Tu as vu? Le monsieur là, Satan, c'est Satan qui lui a donné cet message pour aller mettre le monde dans la confusion. Que tout le monde va commencer de. Tout, le temps qu'il va introduire. Son marque globale là, globalisation. Au lieu de devenir citizen, le citoyen des cieux, tu as vendu ton citoyen, aller prendre la marque. Toi-même, tu n'es pas la honte. Cette marque, quand on te donne cette code, tu peux l'utiliser pour aller à États-Unis, tu peux l'utiliser à aller dans partout le monde. Ça veut dire que cette code, il y a central computer du monde qui contrôle tout. Donc, tu es déjà dans le mondial globalisation. Tu es déjà dans le système de mondial. Tu as vendu ton identité. Tu ne suis pas d'identité du discours. L'identité du discours est déjà effacée dans ta vie. Alors que tous les enfants de Dieu, Jésus-Christ, il a son ADN à nous. ADN des citoyens des cieux. Que ton patron voulait que tu puisses aller vendre. Et prends pour le monde. Parce que tu voulais vendre. Alors que la Bible dit, vous ne pouvez pas vendre. Vous ne pouvez pas travailler. Vous ne pouvez pas faire ça.
Regarde, la marque de la bête vient dans trois formes. C'est ça que je dis, le pasteur aussi ne connaît pas. Je ne sais pas comment Dieu a dit de me faire rentrer là-bas. Let me tell you something. The mark of the beast is coming in trois formulas. Trois formulaires. Son image. Son image a déjà commencé depuis longtemps. It's coming by the worshiping of his image. The image worshiping have started for a long time. Comment cette image, c'est quoi? Le photo que les catholiques ils sont introduits, les Vatican ils sont introduits, que vous tous vous êtes des mains dans votre maison, mais tout dit que c'est Jésus-Christ en train de poster nous, image de Marie que vous avez dit d'aller poster nous. Toutes les images qu'ils sont en train de mettre, que vous avez dit de poster nous, dit que c'est Dieu, c'est Antichrist. L'adoration. Worshipping of the image. Apocalypse 13. Alléluia. Qu'est-ce que Daniel a dit dans le Daniel 8? Daniel 8, il dit, il va changer toute la loi. Hein? C'est pas ça? Oui. Changer la loi. C'est pas ça qu'ils sont en train de changer aujourd'hui. Ils sont d'abord essayé ça avec le COVID. Changer le temps, changer la loi, changer tout. Changer la façon de servir Dieu. Dites-vous que vous devez être combien dans l'église? Vous devez être combien dans l'église? Et ma sœur, c'est pas que j'ai envie de parler, vous devez fermer votre bouche, fermer votre neige. Vous devez revenir Niger. C'est le démon, non? C'est le démon qui fait comme ça. Ça signifie sans identité. Où est ton identité? Tu n'as pas l'identité. Ma bouche est fermée. C'est la fermée. Il n'y a que ça là. Tu vas revenir Niger. Niger, c'est démon. Vous tous allez revenir démon dans la maison de. À la maison de Yeshua Amazia. Yeshua, il regarde et dit, mon peuple perdu, ils sont allés de périr sans marquer de la connaissance. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, Yeshua Amazia, il dit, Jésus, Dieu, là qu'on a eu là, il dit, j'ai blessé et j'ai guéri. Il n'y a pas une maladie que le Seigneur ne peut pas guérir. Pendant de toutes ces choses, le Seigneur m'a dit, ne fermez pas mon église. On sauve Dieu. Quand ça arrivait, c'est très chaud. C'était chez moi qu'on fait le culte. Hein? C'était chez moi. Les gens viennent se voir. Va là-bas avec ton COVID. Le Seigneur m'a dit, ça ne rentre pas où que tu sois. Même dans mon église, ça ne rentre pas. Je travaille devant à Paris. Le travail devant à Paris. Ils sont mis à mettre cette loi dans tout le train. Mais le Seigneur, le train qui m'amène à tout, le Seigneur dit, parce que mon enfant me prend ce train, il vient pour faire mon œuvre, il est parti. Il a bloqué là-bas. Non. Parce que la Bible dit, je vais toujours ouvrir la porte là où il n'y a pas la porte. Il faut un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il fait le chemin pour moi là où il n'y a pas le chemin. Là que je travaille, ils ont amené ça là-bas. Hein, le directeur voulait mettre ça là-bas. Hein. Dieu, il a fait quelqu'un élevé, il dit, d'être impossible. Je ne veux pas obliger les gens pour prendre la vaccine dans cette société. Et sous le syndicat, dans notre association, on a déjà parlé de ça là-bas. On n'est pas encore d'accord avec Macron. Je ne veux pas obliger quelqu'un. La personne a venu me dire ça. Sylvestre, tu as vu ça, qu'on a fait la réunion. Voilà ça que vient dire le directeur. Et le Seigneur, bien dans le travail. Continue ton travail. Bien aimé, save Dieu. Save Dieu de la vérité. Save Dieu. Connais son identité. Si tu lui connais qu'il est Dieu de la guerre, il est Dieu qui tue. Invoque-lui dans toute situation. Tu vas voir celui qu'il est. Essayez de connaître son identité. Il n'est pas l'homme. Il est la créature de toutes choses. Il dit, mes enfants, ne vous inquiétez pas. Je suis avec vous. Le monde va renverser. Satan va renverser. La bête, nous sommes dans le système de la bête. Je vais te dire encore ça. Nous sommes dans le système, si tu ne connais pas ça, connais ça maintenant. Nous sommes dans le système de la bête.
La globalisation, c'est le système de la bête. C'est ça qu'ils sont en train de faire, le monde là pour devenir. Et tout le pasteur qui les suit, ils sont dedans. Il y a le pasteur qui sont dedans direct. Il y a le pasteur qui sont dedans indirect. Fais attention. On les connaît. Petit Sylvestre, on les connaît. Le Seigneur est en train de nous diriger. Alléluia. We know them. We know them. We are in the system of the beast system. Globalization system is the beast system. Many of the pastors are, some of them are direct into it, and some of them are indirect. So, child of God, open your eyes. Watch what your pastor is introducing you to. Watch it. Watch it. Pastor, also, be very careful. Pastor, don't associate. Seek the Spirit of God. Listen to the voice of God. Ask God before you speak. Alléluia. Pasteur, tu dois aussi faire attention parce qu'il y a des autres pasteurs qui ne savent pas. Mais quelque chose avec eux, orgueil. S'ils ont fait l'erreur, au lieu de venir demander les gens de pardon, de faire l'erreur. Il y a un pasteur dans le Google. C'est un pasteur de la sainteté aussi. Il a venu demander pardon à tout son membre et tout. Et il a conduit pour aller prendre les vaccins. Il a demandé, il a confessé. Il dit, il ne sait pas. On l'avait poussé, il ne sait pas. Mais maintenant, il a compris que c'est autre chose. La haine. C'est parce que c'est anglais, si c'est français, je vais vous envoyer. Là, il a venu confesser que les gens ne l'aient pas dans. Il ne sait pas. Mais les autres que je connais, que j'ai entendu regarder, il n'est pas encore venu dire ça. Mais je priais que Dieu va l'aider pour repentir. Other ones that I know, this pastor came and asked mercy. It's in the YouTube. It's a holiness preacher. He asked that his member should forgive him. He never knew. That's why he asked them to go and take it. But now he has found out that, no. He has also found out that tribulation before rapture. It is through tribulation we go. Jesus will come in. His saint is still here. His elect is still here. His children is still here. We are going to pass through it as the former Israelite passed through the desert. It's a time of our trial to prepare us, to purify us. Hallelujah. To make us to leave all these things of this world. Because God is going to take away all these things of this world. Job, everything, we are going to lose it. We are going to lose everything to concentrate only on Christ. Going to take away everything that's giving us joy. Nous sommes va retirer tout. C'est le temps de notre, c'est l'angoisse de Jacob. Il va retirer comme les enfants d'Israël. Il a retiré tout ça qui leur donne la joie. Qu'est-ce qu'ils ont commencé de dire à Moïse? Pourquoi tu n'es pas laissé? Tu nous as pas laissé en Égypte pour manger là-bas. Hein? La viande que nous on mange là-bas. La viande. Attends, beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens aussi, ils vont dire ça bientôt. Pourquoi tu ne nous as pas laissé en France de continuer de connaître, prendre mon RSA? À la fin de mois là, maintenant, on va déjà me payer mon RSA et tout. L'argent des enfants, on va déjà tout, ça va déjà rentrer dans mon compte. Pourquoi si ça, tu ne vas pas les laisser pour rester là-bas? Attends, ça va, il va aussi dire ça. Il va aussi dire ça. De vous dire it. Et donner à l'homme de se blesser. Le mensonge qu'ils sont en train de mentir, une déclaration, une faux déclaration et tout, ils sont en train de faire pour prendre arrêt, ça prend tout. Attends, si tu es un enfant de Dieu, c'est pour ça que cette tribulation, il va, le Seigneur il a dit, va lire là-bas, Apocalypse 3, à partir de 10, va lire, 9, 8, 9, 10, va lire. Il dit que la tribulation là-bas tomber sous la terre, tous les habitants de la terre, c'est le temps de notre trahir. On connaît qui est qui. Et tout ce qui va tenir jusqu'au bout sera sauvé. Alléluia. Donc, tu vas fuir. Prépare. Le temps là que nous sommes, c'est le temps que tout le pasteur doit commencer de nous préparer. C'est le temps de notre préparation. Avec la prière, avec le message, avec la vérité.
quand ça va arriver, que tu vas savoir, tu vas rester dans la prière. Et la prière que tu fais aujourd'hui va te protéger. La prière, c'est investissement. Investissement spirituel. Pour aujourd'hui et demain et la future. C'est ça que la prière est fait. That's what they don't do. Every one of us now, all the pastors, if you are in a church that where they're not preparing you with prayer, with the word of God, raw word of God, raw. No more pity. We are no more in the time of pity. Raw word of God. Apostle Paul said, the time we're supposed to be eating bone that will lead us to heaven, we are still drinking milk. No more milk message. Now, tell them the truth. Who want to go? Let him go. Bye-bye. Le temps que nous sommes maintenant, c'est le temps de dire les gens la vérité, l'évangile. Amen. Apôtre Paul, il a dit, le temps que nous, on doit commencer de manger le œuf. Ça donc. On continue toujours de boire du lait. L'évangile du lait ne veut pas nous amener au ciel, bien-aimé. L'évangile qui va nous amener au ciel, l'évangile du. C'est l'évangile qui prépare les enfants de Dieu. L'évangile qui va te préparer. Pasteur doit te ouvrir, va te montrer. Celui qui ne veut pas, ouvre la porte, ouvre la fenêtre. S'il a venu par la fenêtre, ouvre la fenêtre, laissez-le de passer par la fenêtre, partir. Si c'est la porte, laissez-le de partir. J'aime quelque chose que cet pasteur Allen, il a dit. Il dit, si on peut avoir 100 pasteurs partout le monde qui dit la vérité, il dit, si... Comme tu as dit que tu as seulement 10, tout ton client est déjà parti, tout ton membre est déjà parti, il reste seulement 10. Si tu peux, à côté de toi, si tu peux voir 10 membres, chez moi, je vois 10 membres qui sont fidèles. Chez l'autre aussi, 10 membres. Quand on va multiplier 10 là par 100, ça va donner Dieu combien qui sont fidèles. Jésus-Christ, il est content. Qu'est-ce que tu cherches encore? Jésus-Christ, il est OK. Mais il dit, il n'y a pas. Mais il n'y a pas. Ils sont seulement rassemblés. Là, l'église est remplie. 10 000 de personnes. 100 000 de personnes. Mais le royaume de Dieu, c'est vide. Malo. C'est cause. Their church is full. Some of them open mouth. They want to build church to every house. No, don't you see the amount? When you open window, you will see this one. You will see church. When we open window, their branch will be in your window, in your domato. I think that's how they say, who you, people used to speak that English, in your domato. Domato. My father's wife. He used to call it domato. When you open your window, your domato is church. Your domato is church. Your domato is church. Domato. Your domato, that is, you open the door, it's touch. That's what their papa say you will do. So, you will open domato. If you have 20 billion of churches all over, you have them, they full everywhere. Every time you say you are doing Holy Ghost night. But the Bible say, heaven is empty. Heaven is empty, but your church is filled up, but heaven is empty. May God deliver us in the name of Jesus Christ. Mm. Ton église est remplie, mais le royaume de Dieu, c'est vide. Pasteur, bishop, archbishop, surintendant général, pape, avec 2 milliards ou 3 milliards de des âmes. Mais il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui va rentrer dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est vide. Catholique, c'est rempli. Allez-y-vous. Il arrive. Que Dieu nous aide en Jésus-Christ. Connais son identité. Son identité est très, très dangereuse. On retourne dans 2 Pierre. Quand on a dit la dernière fois, let us go back to that 2 Peter chapter 2. I think that's where we stop that day. 2 Peter. 2 Peter. 2 Pierre. Là, il dit. Il dit quoi? Il a parlé de faux prophètes. D'abord, à partir de verset 1. Après, maintenant, à partir de 4. Qu'est-ce qu'il a commencé de dire là-bas?
Let us begin to read from verse 4. En effet, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché. Ça c'est son identité, où Dieu vous dit son les anges qui vivent avec lui là-bas. Ils ont péché. Il n'a pas pitié de cet ange. Ici. Mais il a précipité et enchaîné dans l'abîme. Ici. Là où règnent les ténèbres. Et pour qu'il y soit gardé en vue du jugement. Ok. Verset 5. Okay. Il n'a pas épargné non plus l'ancien monde. Bien qu'il ait sauvé. Le monde de Noé. Noé. He did not pity that word, the word of Noah. Continue to ask how many of them is that church. You will tell me how many members does Noah have after 150 years of preaching. Restez chez toi. Continue de dire qu'ils sont combien dans cette église. Ils sont combien. Ils sont combien là-bas. Il y a qu'il y a avec sa famille. Merci. Tu vas me dire, 7 jours, le Seigneur va te demander, Noé va venir te. C'est Noé qui va te juger. Rappelle que la Bible dit que c'est le juste qui va juger le monde. Noé va sortir le 7 jours, va te demander que dans mon temps, dans mon église, nous sommes combien? Tu vas lui répondre que c'est 8. 8 là, c'est combien de, ils sont venus où? Ils sont de où? Ma famille non? Alors que Dieu prêché pour 120 ans. C'est à cause de ça que tu n'es pas parti là-bas. Tu n'es pas parti là-bas aller chercher ta salut. Tu es en train de regarder où il y a multitude, non? Ok. Tu as vu là que tu as trouvé toi-même. Ok. Continue de chercher où il y a multitude. You see? Continue to look for where there is multitude. You see what he told you? You see it? Noah, he called it one name. That righteous man. Il a appelé Noah comment? Continue. Ce prédicateur de la justice. Oh! Que Dieu nous fait d'être prédicateur de justice dans ce monde au nom de Jésus-Christ. May the Lord make us to be a preacher of justice in this world, in this generation, in the name of Jesus Christ. Amen. That's what you and your family are supposed to be. The preacher of justice, the preacher of righteousness, the preacher of holiness. Stand on it to the end. They want to cut off your head, let them cut off my head. I will stand on it to the end. Si on voulait couper ma tête à cause de la justice de Dieu, viens couper ma tête. Si Dieu est parmi ça, prends, coupe ça. Tous les disciples de Jésus-Christ, ils sont coupés, ils sont on les tués, ils sont où? Ils sont dans la gloire en train de glorifier Dieu maintenant. Tu me tues, tu me aides pour partir vite. Si Dieu est parmi ça, si Dieu n'est pas encore fini ma mission, tu ne peux pas me tuer. Mais si ma mission est déjà finie, Dieu va, il va te. S'il a décidé que je vais partir par l'épée, c'est comme ça. Quelqu'un ne peut pas arrêter ça, empêcher ça. Donc c'est pour cela que maintenant que je vis, je dois tout dire avec toute la force qu'il m'a donnée. Alléluia. Amen. Allez-y. Lorsqu'il a fait venir le déluge sur ce monde impie, okay. Pas ailleurs, tu as vu, non? Il a condamné la destruction, okay. Et réduit en cendres les villes de Sodome et Gomorrhe pour les donner en exemple. Connaître son identité. Il est Dieu qui tue. Sa colère, c'est terrible. Quand il s'élève, c'est dangereux. On nous a trompés pour nous dire les dieux de l'amour. C'est ça qu'on a été de voir tout le temps. Son amour est incomparable. Infini. Son amour, c'est infini. Mais pourquoi son amour, il a fini sous cette genre? Pourquoi son amour, c'est fini sous son ange? Ils sont péchés. Comment? On nous dit que son amour c'est infini. On nous a dit de tromper. They say that his love is infinity. His grace is his papa. His love is boyfriend and girlfriend. But the love of boyfriend and girlfriend used to finish. Why did his love finish? It did not continue on this. This people, Sodom and Gomorrah, this world, these angels. Why does this love stop? Mistaking his identity has finished many of us. The pastors are not showing us his identity. That is a killing God. When he spoke, he said, I'm not a man that lie. I'm a God of principle. I give time. But don't play with my time.
I am patient. But don't play with my patient. Don't play with it, oh. You and your pastor and your bishop, don't play with my patient. I speak. And who that hear me and obey it, I will have mercy. But he that play with my voice, that voice will come like a sword and slay him that day. Hallelujah. Isaac Eladi. J'ai de patience, mais ne jouez pas avec ma patience. J'ai la grâce, mais ne jouez pas avec ma grâce. Je donne la vie et j'ai tué aussi. J'ai blessé et j'ai guéri. Alléluia. La plupart de nous, la souffrance qu'on a vu passer aujourd'hui, je vous donne la première partie, c'est la colère de Dieu sur nous, sur notre génération, sur notre famille, sur notre parent. La question en train de boire, encore forniquer. Tu vas voir un fornicateur en train de insulter Dieu. Tu es d'abord dans ton péché. Tu es d'abord dans ta fornication. Encore, tu as encore la bouche. En train de insulter les enfants de Dieu. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de insulter. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui est en train de insulter. Allez-y. Allez-y. Donner, Let us go on that, that. Donner un exemple à ceux qui par la suite vivaient dans l'impiété. Uh-huh. Verset 7. Okay. Et il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ses hommes. C'est comme ça que toi et moi, on doit être. That is how you and I are supposed to be. Even in the midst of the wicked, stay off. Hallelujah. Lord, to understand that and understand the identity of this God. Lord, il connaît l'identité de cet Dieu. Mm-hmm. C'est pour cela qu'au milieu de tous les péchés et les bêtises qu'il a trouvé lui-même dedans, il a mis lui-même toujours à côté que je ne peux pas participer. C'est pas que tu vois là qu'on t'a critiqué un homme de Dieu de la vérité. C'est pas le faux nom de Dieu. La vérité, la sainteté. Et toi aussi, tu mets ta bouche. Dieu va te détruire. Fait critère qu'on doit être maintenant, hein, c'est comme Lot, comme Noé, avec sa famille. Quand ils sont en train de faire leur péché, mets-toi à côté. Dès l'association des péchés, dis-leur que même si c'est ton maman, même si c'est ton papa, papa, maman, le Seigneur, le jugement de Dieu, Dieu n'attend pas que c'est mon maman qui m'a fait, c'est mon papa qui m'a fait. Non. Le jugement de Dieu, ce n'est pas le jugement de votre tribunal ici, qui fait injustice. Le jugement de Dieu, c'est pour ça qu'il va donner, il donne chacun de nous la chance pour écouter la vérité. Comme ça, ton jugement c'est complet. Ton dossier c'est fermé. Seulement si tu réponds positif, que okay? Seigneur, je ne veux pas que tu me juges. Je veux faire le tout. Ah, il va maintenant effacer ton jugement. Allez-y, go on. Verset 8. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme. Juste. À cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leur agissement criminel. Ok, continue. Verset 9. Ainsi donc, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et gardé les injustes pour le jour du jugement où ils seront punis. Ok, donc, Dieu est puni. Rappelle qu'on a entendu parler de son identité. Hein? Les gens qui voient que c'est Dieu de l'amour. Dieu de toute espèce. Dieu de toute espèce. Il y a des autres qui viennent dans notre église ici. Qui dit, quand tu parles, il dit, Dieu ne va pas me condamner. C'est votre pasteur toujours qui dit que Dieu ne va pas nous condamner. Especially dans la bouche des les catholiques. Les catholiques qui va. On leur dit qu'il y a purgatoire. C'est là, non? Purgatoire. Purgatoire, c'est pas ce mot purgatoire.
Je vais te dire quelque chose. Toi catholique, ta purgatoire, tout le purgatoire de tout le monde maintenant, c'est là maintenant que tu vives. Tu vas demander le feu du Saint-Esprit pour bouger tout le péché dans ta vie et te purifier. C'est ta purgatoire maintenant. Après la mort, tout le monde avec ta péché, il n'y a pas de purgatoire. Laissez tout ça que votre prêtre et tout en train de vous dire là. C'est le tromperie de diable qui vient dans le séjour de mort. Alléluia. Il y a les autres même qui vont commencer à garder l'argent pour aller donner le prêtre. Le jour d'enterrement qu'il va utiliser pour aller réguler les affaires avec le... Je ne sais pas comment il va aller réguler ça. Il va utiliser l'argent là pour aller réguler, pour payer pour le purgatoire. La tromperie. Le message satanique. Le message diable. Et dans le délivre, non, Jésus-Christ. Va écouter le message d'un prêtre qui a été confessé. C'est, son confession, ce n'est pas aujourd'hui que je connais ça. Au Gabon, mon pasteur qui était prêtre avant que Dieu l'a fait sortir de toi, il m'a déjà dit ça. Parce que je devais être prêtre. C'est ça que mes parents voulaient que je fasse, que je devenais. Mais le pasteur m'a dit, remercie Dieu que tu n'aies pas fait ça. Parce que tous les prêtres, les jours de l'aile, ordination, c'est initiation. Donc, avec l'esprit de la mort. On dit la vérité, les gens nous parlent de n'importe quoi. Continuons dans la parole de Dieu. Dis-moi, go on, let us go on. Celui qui voulait écouter la vérité, celui qui ne veut pas, continue de faire comme tu veux. Je te dis que le jour que tu vas mourir, le message, tu vas commencer d'attendre écho de la voix de Sylvestre. Que, je ne sais pas que l'homme l'a dit, c'est la vérité. Son français n'est pas bon, mais ce qui sort dans sa bouche, c'est la Bible. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas comprendre ça qui sort dans sa bouche. La salut n'est pas grammaire. La langage de la salut, ce n'est pas grammaire. Laissez tout le faux parce que là qui vient avec le langage éloquent. Éloquent, c'est ça, non? Éloquent. Éloquent pour vous tromper. Pour vous cariser le charisme, éloquent. En train de vous cariser, des fois il va dire le grammaire que vous ne connaissez pas si c'est dans le dictionnaire. Mais vous va dire, notre pasteur, il a beaucoup étudié, il a le master dans le français. Prêche, mais lui ne connaît pas la langage qui vient de relâcher. Et de prêcher. la salut n'est pas dans le grammaire. Apôtre Paul, il dit, c'est dans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui nous réveille les choses spirituelles. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui réveille les choses. Il dit, c'est l'Esprit de Dieu qui réveille le mystère de Dieu. Amen. Il dit, ça qu'il parle, c'est pas la sagesse de l'homme. Mais c'est le mystère de Dieu révélé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas par grammaire, ce n'est pas par l'école, ce n'est pas par l'université. C'est pas, non, ce n'est pas là-bas. Il faut aller dans l'école du Saint-Esprit. Il va te donner le mystère et la salut. Amen. Que donne Edwin Jésus-Christ. That's what Apostle Paul said. What I am speaking is the mystery of God, revealed by the Spirit of God. It is not by grammar. Leave all these pastors, all these your pastors are speaking to you in eloquent, grammatically eloquent. That is not what we take, that's taking us to heaven. Salvation is not put in grammar, put in university, put in master, PhD. Lie. All those grammatic pastors, they are failure. Liars. They come out from school, they don't see work to do. They run into ministry business. Alléluia. Amen. Thank you, Jesus. Le Seigneur a dit, me dit quelque chose maintenant, que j'ai dit anglais. Tous les pasteurs là qui parlent grammaire, éloquent, le Spirit de Dieu dit, ils sont sortis dans l'université, ils sont cherchés le travail, ils n'ont pas trouvé. Ils sont rentrés, aller chercher la puissance de diable, rentrés dans le business du ministère de Dieu. Parce qu'ils savent que là-bas, il n'y a pas le CV. Il veut seulement avoir leur chant et éloquence. Je vais commencer à attirer les gens.
Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Mais l'appel de Dieu, regarde tous les apôtres de Dieu, combien de eux, il n'y a qu'un peu de eux qui sont avocats, je pense Luc, il y a un peu de... Un peu. Mais les leaders, il a le master, il a seulement le master de poissonnaire, c'est ça non, Peter. Illitré, c'est lui qui est le leader. Dieu n'a pas pris Luc, qui est avocat. Et Marc aussi, il n'a pas pris mécène et avocat, il n'a pas pris. Parce que c'est que s'il a pris pour mettre les leaders, il va commencer à leur montrer le grammaire. Il va commencer à leur dire que vous devez aller à l'école. Moi, j'étais à l'école. Moi, vous tous, vous devez aller à l'école avant d'arriver où que je suis. Dieu n'a pas fait ça. Il a pris les leaders pour elle mettre un leader. Parce que le Saint-Esprit ne cherche pas ton master et ton. Il ne cherche pas ça. Il veut seulement celui qui va être homme. Qu'il va prendre. Il va réarranger. Alléluia. Parce que tous ceux qui sont éloquents là, quand ils connaissent comment modifier la vérité avec grammaire. Là que le Seigneur dit, ils sont le voleur, ils me volent, il va vous dire, ne triche pas. Il ne peut pas utiliser le langage qui va vous. Il va dire, non, quand tu dis, non, pasteur, dis les gens que les gens volent. Il va dire, non, cette langue, il va les provoquer. Il va les provoquer. Et tu me dis, non, mais c'est comme ça, la Bible dit, non, on n'est pas là pour chasser les gens. Tu ne connais pas la grammaire. Il y a les langages qui sont lourds. Donc, quand tu étais à l'école, tu vas savoir le. Comment tu vas faire ça, que ça soit la baisse, ça baisse. Alléluia. Mais celui qui ne va pas partir à l'école, la façon que la Bible dit ça, là que la Bible a dit, vous êtes volés. Jésus-Christ, il a utilisé beaucoup de langage dans la Bible. Là que Jésus-Christ, il a dit, vous êtes matrés. C'est ça, non? Matrés. John 8. Vous êtes un tueur. Meurtrier. Vous êtes meurtrier comme votre père. Vous êtes comme votre père. Depuis le début, c'est un assassinateur. Il tue. Vous voulez me tuer aussi. Le pasteur de Elkant, il va arriver là-bas. Il va dire non, qu'est-ce que, oh non, on ne peut pas parler comme ça. Si on parle comme ça, les gens vont dire qu'on est insulte. Alors que ils sont tous là-bas à matrier. C'est pour ça que fais attention quand tu as dit sous le pasteur de Elkant là. Fais attention. Vraiment, je vous dis la vérité. Depuis l'enfant, que je comprends tous les pasteurs là, quand je l'ai écouté, je vois comment ils sont habitués de faire le romans de la parole de Dieu. Le Seigneur va me dire, l'Esprit de Dieu, immédiatement, va me dire, va regarder ce qu'il a dit là-bas. Regarde, est-ce que c'est ça que j'ai dit? Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Tu as vu comment il a changé ça? Tu as vu comment il a tourné ça? Il ne peut pas provoquer. Il voulait prêcher pour plaire. Les gens là, au lieu de utiliser mon langage, utilise le langage de la Bible. Là que je dis qu'ils sont voleurs, dis-les qu'ils sont voleurs. Là que je dis qu'ils sont prostituées, dis-les qu'ils sont prostituées. Là que je dis qu'ils sont adultères, dis-les qu'ils sont adultères. Pour pas changer ma parole. C'est comme ça que le Seigneur m'a dit. Il m'a dit, ah papa, c'est vrai. Donc lui là, il m'a dit, tu as vu non? Je t'ai amené pour venir voir ce qu'il a été fait. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Mais God deliver us. That's what they do, that's what God is showing me. They do. Wickedness in the altar of God. On the altar of God. They call them eloquent preachers. They are not eloquent preachers, they are motivational preachers. They are politicians, campaigners. When the politicians are campaigning, they come and see their mouth very sweet. Ils sont politiciens. Quand va voir le politicien, quand ils sont en train de faire le campagne, non? Quand ils sont en train de faire ça, les bouches très sucrées, très très sucrées. Mais quand il va rentrer dans le pouvoir maintenant, tu peux arriver même là-bas. Tu vas arriver dans son bureau. La sécurité va te prendre et jeter dehors. Mais le temps là qu'il y a de chercher ta vote,
Il peut venir t'embrasser. Il va venir te faire les bijoux. Laisse-les rentrer dans cette... C'est comme ça que tous les pasteurs là, ils sont. Alléluia. Le temps qu'il va commencer de gonfler maintenant, hein, c'est la sécurité qui les garde maintenant. Sécurité. Avant que tu vas même arriver là-bas, comment? Même si tu as envoyé un courrier, avant que ça arrive chez lui, on va déjà déchirer ça, regarder ça. S'il n'y a pas l'argent dedans, seulement s'il y a l'argent dedans, il va lever l'argent, il va jeter ton courrier à côté. Il va aller remettre l'argent. Quelqu'un l'a testifié avec un pasteur. Beaucoup de pasteurs que j'ai connus, ils travaillent avec le 7 pasteur. Ils disent ça qu'ils sont habitués de faire. Tout le courrier qui vient dans le bureau du pasteur, si tout ce que l'agent il va ouvrir, il ouvre seulement l'agent. Si l'agent est dedans, il prend l'agent, il déchire le courrier, il jette. Tous les requêtes de prière, c'est comme ça, ils sont habitués de déchirer ça. C'est un pasteur populaire. Il déchire ça, il jette ça. C'est l'agent seulement, ils sont habitués de prendre. Il attend de remettre ça à pasteur. Remettre ça à pasteur. Et les gens attendent de. Quand par la grâce de Dieu, si Dieu lui répond la prière des personnes, il va venir vous rentrer de remercier pasteur. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a fait la prière pour toi. C'est ta foi et ta prière que Dieu l'a répondu. Il a pris ton achat. Mais dans son compte, voulait qu'il soit. Que Dieu le délivre dans Jésus-Christ. That's all the confession somebody was giving that walk with one pastor, one popular pastor in this world. All the prayer requests they are giving to the to send to them, he was there. What he used to do, he said they are the one that used to take all the prayer requests. They remove it. Only the ones that money is inside, they remove the money and give to put where pastor said they should be putting it. All the letters and everything, they tear it and throw it away. They don't pray any prayer. He said they don't pray no prayer. They don't pray any prayer for anybody. The pastor is an narcotic pastor. He doesn't pray any prayer for anybody. If God mistakenly answer your prayer, they will also carry all their gifts and go to the church and say they are thanking God. God has answered them. Why there's no prayer was made by that pastor? He's an occulting pastor. He's the pastor that is initiating them today with the private jet. C'est lui le pasteur qui a été initié tout le pasteur aujourd'hui avec l'avion privé. Okay. Quand vous allez chercher dans le Google, vous allez connaître son nom. Alléluia. Que Dieu nous aide en Jésus-Christ. On les connaît. Allez-y. Go on, on va finir la deuxième partie là. Je veux qu'on finisse ça rapide maintenant. On va partir. Verset 10. We're going to finish this part too. Verset 10. Il purifiera surtout ceux qui suivent les désirs impurs de leur propre nature et méprisent l'autorité de Dieu. Tu as vu, non? Son identité, oh. This is his identity. He's going to punish. It's a God that punishes. C'est Dieu qui. Know his identity. Connaît son identité. Tu vas voir, ça là c'est trop rapide au milieu des francophones. Quelqu'un qui vit dans la fornication, qui vit dans le jeu. Avant que tu lises, ça va dire, hey, mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu qui te bénisse. Toi qui vis dans l'impudicité. Toi qui vis dans l'impudicité. Adultère. Immoralité. Que Dieu te bénisse. Que Dieu qui va me bénir. Tu ne sais pas que Dieu il rentre seulement là qui est saint. Son nom est très saint. Ce n'est pas n'importe qui doit mentionner cet nom. Autant que de vivre dans le péché, c'est la honte pour moi pour appeler le nom de Jésus-Christ. C'est la honte. C'est la honte. Tu appelles seulement son nom quand tu as été déploré et demandé pardon des péchés. Mais ici là, je vois que n'importe qui, il va dire le pasteur que Dieu te bénit. Dieu il a déjà béni son serviteur. Il a déjà béni son serviteur. Ce n'est pas la peine que Dieu dit ça. Parce que la Bible dit, tout ce qui obéit la parole là et sous la parole là, bénédiction, il dit bénédiction à tout ce qui est sous la parole là. Qui obéit la parole. Bénédiction à Dieu. Pour toi, un enfant de Dieu qui a été marché dans la voie de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Allez-y.
Ces faux enseignants sont audacieux et arrogants. Ils n'ont aucun respect pour les êtres glorieux du ciel. Thank you. Mais ils les insultent. Ça, c'est tous les pasteurs, tout. Écoutez-vous bien. All the pastors here is, which verse are you? Verse 11 or 12? Verse 10, verse 10. Ok, allez-y. Verset 11. Mm-hmm. Même les anges, mm-hmm. qui sont pourtant bien plus forts et puissants, ne portent pas d'accusations insultantes contre eux devant le Seigneur. Ok. Verset 12. Mm-hmm. Mais ces gens agissent par instinct, comme des bêtes sauvages qui naissent pour être capturées et tuées. Mm-hmm. Ils insultent ceux qui ne connaissent pas. Mm-hmm. Ils seront mis à mort comme des bêtes. Uh-huh. Verset 13. Les gars, croient qu'ils doivent faire. Ils seront ainsi payés en retour de tout le mal qu'ils ont fait. Ils trouvent leur plaisir à satisfaire leurs mauvais désirs en plein jour. Leur présence est une honte et un scandale quand ils participent. Tous les gens qui font les mauvaises choses dans plein jour, lesbiennes, homosexuels, toi qui vas aller changer ton organe de revenir pour femme, ou pour femme, une femme changer pour lui pour revenir pour les hommes, vous faites les mauvaises choses là, plein jour de votre vie. L'organe que Dieu vous a donné, vous avez changé tout. Dès que vous êtes religion, vous êtes quoi? Vous avez changé tout. Attends, il arrive. Si tu ne changes pas maintenant et repentez maintenant, attends, il arrive. Allez-y. À vos repas en jouissant de leur tromperie. Mm-hmm. Verset 14. Leurs yeux sont pleins du désir de commettre l'adultère. Ok. Ils n'ont jamais assez de péché. Il aime le péché. Il n'est jamais. Quand tu lui dis, pas le condamné, c'est moi qui fais ça. Ok, continue. You see it? They are not even ashamed of committing their sin, adultery, whatever. When you tell them, say, Pastor Levi, wait. Nairobi will do. Nairobi will do. If you want to go to church, you go to Africa. Don't worry. That's your mouth. The way my God will eat it that day. The way the Lord will slay it. Don't worry. I will take it to Zephaniah 1. You don't know his identity. You will know his identity. Go on. Ils prennent au piège les personnes faibles. Leur cœur est enflammé par l'amour du gain. La malédiction de Dieu est sur eux. Ok, Dieu est là, la malédiction, non? You see it? God have causes. Plupart de nous, la malédiction que nous avons en train de souffrir, que notre famille a en train de souffrir, c'est Dieu qui a placé ça. Mais j'ai prié aujourd'hui, toute la malédiction sous nous, que Dieu ait pitié. Pardonne-nous, élimine tout. La malédiction, depuis notre génération, depuis notre parent, notre ancêtre, que Dieu pitié et pardonne, efface tout au nom de Jésus-Christ. Amen. You see, God have cause. Many of us, many of our family are suffering from God, cause of God. Some are polygamy. It's a cause. Et les autres, c'est la polygamie. C'est la malédiction. There is some alcohol, beer, ekwejoku. It's a cause. Wickedness, greedy, it's a cause. Tu rentres dans la famille, les gens ne disent pas la vérité, critique, mimu, dis les choses qu'on ne doit pas dire. C'est une malédiction. Va regarder bien si ce n'est pas la malédiction de Dieu qui a été sous ta vie. Qui sont déjà, la malédiction là est déjà dans ta génération, sous génération. Il a dit, je vais visiter la famille jusqu'à 4 générations. Va regarder. Et tu commences à demander à Dieu que Dieu te pitié, que Dieu te pardonne. Alléluia. Verset 15. Tout ça, c'est son identité de Dieu que vous ne connaissez pas. Vous êtes en train de chercher. Il est votre ami. Il est votre ami. Dieu, il est notre ami. On est en train de lui faire n'importe comment. We are calling him our friend. What a friend I have. What a friend. What are you doing to even show that he's your friend? A friend respects his friend. A friend do what pleases his friend. What are you doing to please him? You are provoking him every day. You forget his identity. You are going to dead church, house of prostitute, house of bondage, synagogue of Satan.
and they are promising you that you will make heaven. Occultic pastors, occultic men of God, Freemasons. See them how they are giving themselves a sword. I think you are seeing them how they are giving themselves a sword. God will expose all of them one by one in the name of Jesus Christ. Amen. Les gens vont continuer d'aller dans les faux églises, faux pasteurs, pasteurs frimaçons, pasteurs occultiques, pasteurs rescoua. Regarde comment ils sont, va dans l'internet, comment ils sont en train de les papas en train de les initier avec l'épée. L'épée, c'est ça qu'ils sont en train de utiliser maintenant pour initier lui-même. Soit l'épée, soit le cèpe de. Il va dire que c'est le cèpe. Cèpe de Moïse. C'est ça que les catholiques utilisent tout ça. C'est ça que ça veut dire maintenant. Quand on voulait ordonner les gens, on va les donner. Regarde, juste, regarde quand même. Et les gens, ils sont dedans. Ce n'est pas l'aide forte aussi. Quand le pasteur, il a déjà pris votre nom et tout, il y a l'église. Il y a l'église ici en tout. Quand tu viens là-bas, si tu travailles, le pasteur va prendre ton nom, prie tout. Ça s'est trouvé où? Dans la Bible. On t'a pris ton nom, aller initier, mais quelque part, c'est pour cela que tu ne peux pas laisser cette maison de bondage. C'est pour cela que la parole de Dieu, il va venir, viens vers toi. Toujours, au lieu de sortir là-bas même, tu vas commencer nos combats. Ce n'est pas ton faute. Il y a le chien. Ils sont utilisés pour te lier là-bas. La maison de bondage, synagogue de Satan. La maison de prostitutes. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Allez-y. Verset 15. Uh-huh. Ayant quitté le droit chemin, okay. Ils se sont égarés, uh-huh. Et ont suivi la même voie que Balaam. Ok. Tu as vu, non? Fils de Bosor. Uh-huh. Celui-ci. Ils sont en train de suivre la même voie que Balaam. Balaam aussi, c'est prophète. Mm-hmm. Dieu, il y parle. Mm-hmm. Dieu, il y parle. Pour la plupart des personnes, là, ils sont Balaam. Dieu n'est pas l'eau, mais ils sont Balaam. Ils sont mélangés tout, abracadabra. Mais Dieu n'est pas. Alléluia, allez-y. Celui-ci aima l'argent qu'on lui offrait pour faire le mal. Mm-hmm. Verset 16. Mm-hmm. Mais il reçut des reproches pour sa désobéissance. Ok. En effet, mm-hmm. Une ânesse muette se mit à parler en prenant une voix humaine. Ravi. Plus pas de eux en train d'écouter notre voix dans le YouTube, dans tout endroit. Dieu utilise pour les parler, mais on nous voit comme un fou. Comme Dieu, il a utilisé un animal à parler à Balaam. Balaam ne veut pas écouter. Parce qu'il a déjà vu l'argent. Il a déjà vu l'enveloppe. Enveloppe, non. Continue de prendre l'enveloppe. Toi, pasteur, bishop, continue avec ton enveloppe. God use Balaam animal to talk to him. He refused to hear that voice because he had received envelope, pastor, bishop, pope. Continue to collect envelope. Don't worry. Continue with your envelope. Allez-y. Mm-hmm. Verset 17. Yeah. Ces gens sont comme des sources taries, mm-hmm. Et comme des nuages, mm-hmm. Poussés par la tempête. Mm-hmm. Dieu leur a réservé une place dans la nuit la plus noire. Donc, le Seigneur il a réservé quoi? Un place. Dans la nuit la plus noire. Okay. Donc, Dieu est là quelque part, il a réservé. Hein? Dieu de l'amour. Dieu de justice. Dieu de l'amour. Dieu de agapé. Hein? Dieu d'agapé. Il a réservé quelque part. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Laisse. On va, laisse le reste. Tu peux finir à la maison. Alléluia. Alléluia. Je vais vous encore dire quelque part. Dieu, okay, que les gens ne connaissent pas son identité. Acte 5, à partir de verset 1 jusqu'à 11. Qu'est-ce qui est arrivé à monsieur et madame Ananias? Hein? Dieu de l'ami, Dieu de l'amour. Ils ont dit c'est Dieu de l'amour, non? Qu'est-ce qui est arrivé à madame, madame Ananias? Qu'est-ce qui est arrivé? L'aile propre terre. C'est pour cela que les gens qui ont été dit, ne paient pas le deal, ne paient pas ça, ne paient pas. Laisse-le. Moi, un pasteur ne peut pas me dire ça. Parce que c'est la loi de Dieu pour son Israélite.
c'est pour voir que l'œuvre de Dieu continue d'avancer. Je dois obéir le commandement et la loi de Dieu. That's why, look at it, they say, God is love, God is love. Because you don't know his identity. What did he do to Mr. and Mrs. Ananias in Acts of Apostles chapter 5, verse 1 to 11? That's why it is their property to sell. It is their property. That's why be very careful. That pastor that is standing and saying, don't pay tax, don't pay offering, don't pay this thing. It is commandment of God for his Israelite. And it is to take care of the house of God. Like here I am. Maybe some of you pastors that are saying nonsense concerning that thing. Here I am, we pay rent, we pay the light, we pay right, we pay everything. So we have to pay. Is it pastor that is going to pay it? Comme les gens qui disent que les gens qui ont été prêchés contre qui ont été dit qu'on ne doit pas payer, nous sommes dans le temps de niveau génération et niveau ancien. Alliance, on ne paye pas le dîme, on ne paye pas l'offrande, on ne paye pas ça, on ne paye pas, pastor, on ne doit pas prêcher pas ça. Fais attention, ça c'est un mauvais message. Jamais dans la vie, je dois supporter, faire tout pour mon Seigneur, le love de Dieu. Parce que par exemple, là que nous sommes, il y a le loyer à payer. Il y a l'électricité. Il y a tout chose à payer. Donc, si tu ne payes pas ton dîme, ne payes pas ton frère, ne payes pas tout ça, comment cet endroit va se payer? On va payer ça comment? Donc, c'est le pasteur qui va payer. Et toi qui vas venir prendre Dieu de l'amour. La grâce de Dieu te couvre là-bas. Et cet idiot, il te regarde. Il va acclamer que tu as bien fait. Tu as bien fait. Il n'y a pas de problème. Quand tu dessous tout ça, c'est faux Dieu. Faux évangile. Même son serviteur qui dit, apôtre Paul, il dit, dans le premier Corinthiens, 2 Corinthiens 9, non, 2 Corinthiens 9, il dit, c'est dit dans cet hôtel aussi que le pasteur doit manger. Donc, le pasteur aussi, il va, si je ne travaille pas, le pasteur, il va quand il prêche, il finit. J'avais travaillé avec un pasteur en Espagne. Il ne travaille pas. Quelqu'un lui a donné un sac de riz. Donc, quelqu'un, le même, il a dit, pasteur, c'est un sac de riz, pourquoi? Il faut qu'on partage ça ici. La façon que le pasteur, il a, son jeu, il a changé. Il a dit, partage quoi? Quelqu'un qui me pitié, il m'a donné un sac de riz, qui sait que le pasteur a été de souffrir. Toi qui es là depuis longtemps, tu ne m'as rien donné, tu voulais partager, viens partager. Il voulait même maudire la personne, c'est moi qui lui ai dit, calme-toi, pasteur. calme. Il m'a dit, regarde comment les gens provoquent quelqu'un. Donc c'est ça que les gens veulent, quand j'ai été de prêcher ici, s'ils me voient tomber ici, là, il va me dire c'est Orchon. C'est Orchon qui a fait notre pasteur tomber alors que c'est la fin. C'est moi qui l'ai calmé. Je dis, ça va, laisse. Il ne connaît rien, il ne connaît rien. Laisse. Il dit non, on me provoque. Dis, non, ça va. C'est ça qui ne connaît pas. Et c'est vrai, parce qu'il ne travaille pas, il ne sait pas s'il est déjà mangé. Il y a des fois, je connais cette personne, il y a des fois, à cause qu'il n'y a rien à manger dans la maison, il rentre dans le jeûne. Ça, c'est jeûne forcé. Ce n'est pas correct, jeûne forcé. maintenant, quelqu'un vient amener un sac de riz pour lui, tu lui dis de venir partager avec toi. Il va te maudire. Peut-être qu'il n'a rien à manger dans la maison. Peut-être qu'il a dit, quand il a vu ses sacs de riz, il a dit de penser comment il va voir l'argent pour aller faire la sauce quand il va arriver à la maison. Le pasteur de la sainteté, il souffre. Si vous, on ne connaît pas. Il souffre. Et le pasteur de la sainteté ne dit pas. Il ne parle. Le vrai pasteur ne dit pas. Si, il ne dit pas. Il pense seulement à son Dieu. Tu vas le voir toujours dans la joie. Mais il a son problème avec lui. Mais ça, les gens vont venir, il va chercher comment régler les problèmes. Mais pour lui, c'est avec Dieu. Mais les gens vont penser qu'il est OK. Que dans l'aide de Jésus-Christ. Amen. Mais le faux pasteur, il va chercher comment il va chercher comment il va
il va demander, tout le monde va vider leur poste, leur compte. Tout le monde va vider leur compte. Que Dieu nous délivre, non, Jésus-Christ. Que Dieu nous délivre. Tu peux arriver, non? You see, that's what is happening. That's what is happening. The genuine pastors, the ministers of God, they suffer. That pastor was suffering. Somebody brought a bag of rice for him. I was working with him in Valencia, in Spain. Yeah? And people were, somebody came there and said, Pastor, we need to share this bag of rice. So he wanted to, if not that it's inside church, the way he will massacre that brother. I was the one who came here down. Said, look at it. They will see me here. Here I'm preaching. They see me, I'm preaching. God is using me, doing miracle in their life. If I fall here one day, what they will say is, anointing have carried pastor down. Why they don't know that this is hungry? Hungry, wiring me. I will go to fasting because I don't have food in the house. That is forced fasting. Lack of food forcing to fasting. And somebody dashing something, he wanted to share it with him. Then he was angry. Holiness pastors, if you want to stand in the truth, there is suffering in it. It was like a, my friend said, "Hey, tout le monde, quand tu voulais marcher dans la sanité, y'a la souffrance dedans. Y'a la souffrance dedans. Ça, c'est parmi l'identité de Dieu. Apôtre Paul, il a dit dans le Philippe 3, Dieu doit connaître sa mort et sa souffrance, la souffrance de Dieu. Tu dois connaître la souffrance de Dieu. Et la Bible aussi, il dit, souffre avec moi. Jésus-Christ, il a dit, souffre avec moi. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu si tu n'es pas prêt pour souffrir avec Jésus-Christ. Souffre avec Jésus-Christ. L'appel qui nous a appelé, c'est l'appel de souffrance. Sous cette terre, on va souffrir. C'est parmi de son identité. Souffre avec Jésus-Christ. La souffrance, il est dedans. La rigueur, il est dedans. C'est parmi de son identité. Connais toutes ces choses. La haine, il est dedans. Connais toutes ces choses. Tout ça, c'est son identité. Quelqu'un ne doit pas nous tromper. Tu saves Dieu, tout le monde est le même. Et tout endroit que tu vas, tout le monde est le même. Et il n'y a pas rigueur, il n'y a pas parce que ce n'est pas Jésus-Christ. Ce n'est pas Yeshua Amasia. Ce n'est pas lui. Tu es dans le tromperie. Alléluia. That is it. If you are following this Jesus Christ of Nazareth, Yeshua Amasiah, there is no suffering, no persecution, no hatred, no reject. Anywhere you go, everybody loves you. Everything working for you, everywhere working for you. It is not him you are following. You are not following Yeshua Amasiah. You are being deceived. All this thing is his identity. Reject is his identity. Rejection is his identity. Hatred is his identity. Wickedness against us is his identity. He said, suffer with me. It is for a short time. He said to us, in this world, we shall be troubled. He did not say to us, in this world, we shall be liked. The world shall love us. No. The world will hate us. The world will deal with us. The world will reject us. Family will reject us. Family will hate us. Yes, it's part of his identity. Il nous a pas dit, dans ce monde, le monde, il va nous aimer. Non. Il dit, dans ce monde, vous serez troublé. Le monde va vous détester. Le monde va vous haïr. Le monde va vous persécuter. Le monde va vous tuer, même dans la maison, dans votre maison. Matthieu 10, il a dit ça là-bas. Frère, ton frère va te livrer dans la main de l'Antichrist bientôt. Les autres, même de ta famille qui a pris la marque globale, quand il va venir avec, quand la police va commencer à chercher, il va dire, voici là où okay, mon grand frère, il n'est pas encore pris. Voilà là où il est. Il pense qu'il va échapper. Le gars, il est dans le cave là-bas. Dans le cave. Là-bas. C'est ton frère qui va faire ça. La Bible a dit ça. Ton frère, il va faire ça. The Bible says it is your brother that will do it, your sister. So, brother will hate brother.
Sister will hate sister. In-law, your in-law will hate you. Ta belle sœur et ta belle mère. C'est à cause de quoi? Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, c'est son identité. Identité. Connais ça. Ils ne savent pas Dieu que tu ne connais pas. Tout le monde était même. Tout endroit que tu vas, tu dis que tu sais Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus-Christ. C'est pas Jésus-Christ. La première chose d'abord, ton habillement d'abord, ils sont déjà détestés ça. Depuis que tu es habillé comme ça, tu as devenu quoi? Comment cette église t'a fait de devenir comme ça? Nous aussi, dans notre église, nous sommes aussi chrétiens. Nous sommes chrétiens, on connaît Jésus-Christ. Pourquoi tu as devenu quoi? Les autres même qui vont commencer à pleurer. Tu es fou. Que tu nous délivres dans Jésus-Christ. La séparation totale, c'est son identité. Zéphanie, vous l'avez vu, non? Ça qu'il a fait sous Ananias à Séphara. Tu as été en train de manger ça qui appartient de Dieu. C'est leur propre terrain qu'ils ont vendu. You see, it's you that are eating tithe and offering of God. Ananias and Séphara, what killed them? It is their own land, yo. It is their own land. It is not tithe they are paying. Neither is offering. It's not tithe. If it is tithe, they would only remove 10% of what they sell in that land. And they will still have nyafu nyafu with them. Si c'est la dîme qu'ils sont en train de payer, ils vont seulement payer la dîme de qu'ils ont vendu, l'argent qu'ils ont eu dans cette terre, ils vont seulement payer ça et le reste, ils vont recevoir le reste. Mais parce qu'ils sont décidés pour donner tout à Dieu. À cause du mensonge. Bam! Dieu, âge de Dieu, encore attendre aussi, il a caché aussi, attendre la femme. La femme aussi vient. Il met pour lui aussi. L'homme de Dieu, il a demandé que. C'est ça que. Regarde comment Dieu le fait. Quand il a tué le mari, il a dit vite. Enlève-lui, enlève-lui. Sa femme aussi va venir. Enlève-lui. Je vais vous montrer que Jésus Dieu, il tue. Enlève-lui vite. Ils sont tous les mains à enlever le mari. Mais à côté, lui aussi, il a venu. Au lieu de demander que mon mari est déjà arrivé là. Lui aussi, elle aussi n'est pas demandé, il a parti aussi. Le nom de Dieu, il a demandé, que vous avez déjà tout vendu? Il dit oui. Et le nom de Dieu, c'est ça. C'est ça que vous avez vendu. C'est vrai, c'est vrai. Tu es sûr? Bam! Angela aussi, il a venu. Il faut avoir peur de cette Dieu. Mensonge seulement. Mensonge seulement. C'est pour ça que la plupart de nous, on a déjà mouru, on a déjà mort spirituellement. Cette idée, il fait comme ça. Jusqu'à maintenant. Répentez-nous. Connaissez son identité. Avoir la crainte de cette idée. Faites très attention. Dans cet lieu secret, dans ton chambre, avec ton téléphone, les choses que tu fais secret là-bas. Le Seigneur voit tout. C'est un tueur. Ne laissez pas cet idiot te frapper. Sa colère, c'est terrible. Isaïe l'a vu ça. Isaïe l'a choqué. Isaïe l'a demandé pour vérifier si c'est lui. Il a répondu à Isaïe que c'est moi. C'est moi. Zéphanie 1. Va voir comment il va faire. Il dit, je vais les massacrer jusqu'à, je vais appeler les oiseaux de la terre pour venir manger. Va aller là-bas, voir comment il a fait la chair des humains. Les oiseaux des cieux. Va voir cet idiot. Go and see what he did in Zéphanie chapter 1. How he kill and tear their flesh and use it to decide street and he call best of air to come and feed on them. And he did it again to the kings and rulers and government in Revelation chapter 19. Et il a fait la même, il a fait aussi ça. Dans le livre de Apocalypse 19, surtout le roi de la terre, le président et tout qui désobéit sa parole. Va voir comment
Isaïe, le prophète Isaïe l'a vu. Il a dit, c'est moi. C'est là que Dieu a été de les massacrer. Les sangs ont été de saler mon âme. C'est cet idiot que... Laissez le Dieu, laissez ça qu'on a de nous présenter là. Avoir la crainte de cet Dieu. Des fois, quand je suis tout seul, des fois, quand j'écoutais, il y a le témoignage, quand j'écoutais, l'âme va commencer à descendre dans mon Dieu. Je vais commencer à demander à Dieu, est-ce que, papa, si il y a là, ok, je ne suis pas ok, aide-moi. Aide-moi. Réveille-moi toute ma faute. Pardon. Je ne veux pas voir ta colère et je ne veux pas aussi rater ton royaume. Aide-moi. C'est ça que les vrais enfants de Dieu, tu dois toujours continuer de prier et chercher tout le temps, écouter le message qui va te continuer d'aider pour mettre ta vie en ordre. Ne sous pas le païen. Ne sous pas le monde. Ne sous pas n'importe quel message qui ne peut pas te faire perdre. Le message que nous on prêche maintenant, que le Seigneur nous a donné, c'est le message qui va faire tous ses enfants retourner à lui. Ils sont le message pour ramener les enfants de Dieu dans la voie étroite. Cette voie, c'est la voie étroite, ce n'est pas voie large. 99% des pasteurs dont sous la terre là, ils sont dans la voie large. Vous parlez sous. "99% of pastors on this earth are on the broad way. Don't follow them." Now, what God has given unto us to preach now is a message of narrow way. Very, very narrow. Go to that place, you will hear raw message of God. Holiness, which without it, no one shall see the Lord. It is the key. Don't let them. Don't go to that church that is calling it for you righteousness. That he hates to call holiness. I know them. I see them. They are deceiving people. Vous parlez donc, Dieu connaît l'église qui, au lieu de dire la sainteté, il va continuer de dire la justice de Dieu. Vous parlez dans cette église parce qu'il ne pratique pas la sainteté. La sainteté et la justice, c'est pas là. Ils sont différents. Alléluia. You see it? Righteousness and righteousness and holiness of God, they are different things. They are not all back, no, they are not the same. So that church that is only preaching righteousness of God, that hates to preach holiness, is a liar, is a deceiver. Run away from that place. Never you mistake his identity. Don't mistake his identity. He's a killer. He's a killing God. Ou pas tromper sous son identité. Il est Dieu qui tue. Il tue. Israélite et Dieu en a été souffrir jusqu'à aujourd'hui, c'est à cause de notre désobéissance. Regarde comment il nous a dispersés. Premier cas, ça en est passé. Deuxième cas, ça en est, il vient de finir 2019. Tu sais combien de ses enfants qui sont déjà morts. Tu sais combien de Israélite et Dieu qui est mort. Notre parent, notre ancien parent, qui sont tous morts, qui sont à l'enfer maintenant, ils sont tous Israélite et Dieu. Ils sont tous Israélite et Dieu. C'est pour ça que chaque fois quand Jésus-Christ apparu, amène les gens à l'enfer. Jésus-Christ, il plaît. Il plaît. Pourquoi il plaît? Plus pas ses enfants, ils sont à l'enfer. L'âme commence à descendre dans son yeux. Parce que tous qui sont là-bas, ils sont ses enfants. Plus ils sont ses enfants. Pourquoi toi aussi, tu ne veux pas chercher ta vie, réarranger sa vie? Connais son identité. Que n'importe quel prêtre, pasteur, bishop, pape, souterrain général, n'importe quoi que ce soit, prophète, prophétesse, n'importe qui, ne doit pas te faire de tromper celui qu'il est. Laissez-vous la faire des dieux de l'amour, dieux de l'amour. Son amour, il t'est déjà trouvé. S'il n'y a pas son amour, tu ne peux pas écouter la vérité là, attendre la vérité là, et repentir et venir vers lui. Ça, c'est son amour. L'amour de Dieu, il va te conduire où que tu vas trouver la vérité. L'amour de Dieu, il va te faire de rencontrer quelqu'un, peut-être dans la route, ou qui sont en train de faire l'évangile, que tu vas voir comment ils sont habillés. Ah, il n'y a pas le pantalon, il n'y a pas le bijou, il n'y a pas ça. Tu vas poser la question, on va t'expliquer. C'est comme ça que les enfants de Dieu doivent être. Ça, c'est l'amour de Dieu déjà. Ça, c'est l'amour de Dieu et la grâce de Dieu.
Cet amour et cette grâce, il ne nous a pas permis de continuer de vivre dans le péché. Non. Si tu fais ça, tu vas voir maintenant sa colère. Tu vas savoir qu'il est Dieu qui tue. La dernière fois, on a vu dans le Matthieu qu'il a dit, et dans le Luc, il a dit, il faut voir paix de quelqu'un qui peut détruire l'âme et le corps. Fais attention, bien-aimé. Que Dieu nous délivre au nom de Jésus-Christ. Levez-nous. Let us be on our feet. Thank you, Jesus. I surrender. We pray to Seigneur. Ancestemme, j'abandonne tout avec bonheur. We pray to Seigneur. Seigneur Jésus, oui, prends tout, Seigneur. À t'aimer, j'abandonne tout avec bonheur. Bien-aimé, j'attends. Le Saint-Esprit dit, je vais les aussi visiter et leur montrer mon identité. Il dit, je vais les réveiller plus en plus mon identité. Priez, dis le Seigneur. Seigneur, je veux te connaître plus en plus. Fais-moi te connaître plus en plus. Fais-moi que je te connaisse plus en plus dans ma vie. Dans toutes choses de ma vie. Je veux te connaître plus en plus. Lord, help me. Pray and ask God. Father, I want to know you more and more. I want to know you more and more. I have now come to know your identity. Papa, I don't want to play with you. I don't want to play. Papa, Seigneur, je ne veux pas jouer. Je ne veux pas jouer avec toi. Je ne veux pas jouer avec toi. Papa, aide-moi. Si il y a l'endroit que Dieu a dit de s'amuser et jouer avec ta parole, à partir d'aujourd'hui, change-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux pas être parmi des gens que tu vas détruire et déchirer et partager l'aile chair à les oiseaux de la terre. Papa, aide-moi. I don't want to be among those people you will kill and massacre and share their flesh to the best of the earth. Papa, please, have mercy upon me. Have mercy. Help me to know you more and more in my life. And help me to walk in your way every day. Help me to fear you. Fais-moi d'avoir ta crainte, la crainte de Dieu. La Bible dit, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Les enfants de Dieu doivent être sages. Ne sois pas le monde. Ne sois pas le monde. Ne sois pas le monde. Ne sois pas le chrétien Babylone. Ne sois pas le chrétien de n'importe quoi. Ne sois pas le chrétien hypocrite. Le Seigneur, il est Dieu de la colère. Il est Dieu de la colère. Il dit, si tu me rejettes, je vais te rejeter. Même devant mon papa. Rejette, c'est quoi? C'est quand tu as refusé de faire ça qu'il demande. Repentez-nous. Seigneur, aie pitié. Aie pitié. Pardonne chacun de nous. Tout endroit qu'on ne soit pas correct, pardonne-nous, Seigneur. Lave-nous avec ton sang. Purifie-nous, Seigneur. Sanctifie-nous. Que la vie de la sainteté soit notre choix, tout le second de notre vie. Que ça soit la vie de la sainteté, soit notre unité, tout le jour, tout le temps, tout le second, Papa. Aide-nous. Que l'esprit de ton esprit et la sainteté demeure à nous. Jusqu'à la fin de notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Let the spirit of holiness rest upon us till the end of our life. In Jesus' mighty name we pray. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.